8e édition des Étoiles du commerce et de l'artisanat de Bordeaux à la CCI. Bonsoir Sandrine. Bonsoir Patrick. Ce sont les offs de Sandrine et Patrick et c'est maintenant. Vous repartez ce soir avec l'étoile au féminin. Oui. En quoi elle est importante cette étoile ? Alors elle est très importante pour moi. Je dédie mon temps libre à une association qui s'appelle Femmes Chefs d'Entreprise, qui est la plus vieille association de femmes de France, qui a été créée en 1945 et dans laquelle je suis pleinement investie parce que justement j'ai envie de véhiculer ces images d'entrepreneuriat au féminin et d'entrepreneuriat de manière générale pour montrer qu'il n'y a aucune limite finalement à la création. Alors, vous, l'année dernière, vous aviez remporté le prix au féminin pour la maison de Prune. Concrètement, qu'est-ce que ça vous a apporté en une année d'avoir remporté cette étoile ? Les clientes étaient ravies qu'on remporte ce prix et ça nous a permis de se remotiver pour continuer, lancer un site internet et on continue dans cette dynamique. Je crois savoir que l'impact a été incroyable avec maintenant un commerce à portée internationale. Absolument. Aujourd'hui, on exporte nos produits, ouais. Notamment le thé au cannelé qui part aux États-Unis, qui part à Chicago notamment, à Los Angeles, vers Palm Springs. Ouais. Nous avons de plus en plus des dossiers très différents qui montrent qu'on peut être un commerce de proximité et exister depuis de nombreuses années et survivre, et en même temps être un jeune commerce, souvent, je dirais, créé par une femme, ouais. Et arriver avec de nouvelles valeurs, avec un nouvel état d'esprit, et se développer aussi.